était un des plus beaux esprits de ce siècle et un génie si universel et d'une étendue si vaste que si tous les savants n'avaient rendu témoignage de son mérite extraordinaire, on aurait de la peine à croire toutes les choses qu'on en doit dire pour ne rien retrancher de ses louanges. J'ai souvent de fois vu mon père se donner à la science dès son premier loisir. Mais depuis que j'ai entrepris de rassembler ses écrits, je découvre une passion que je ne soupçonnais pas. Je vous conjure de faire en sorte que M. de Roberval joigne son travail au mien, puisque je me trouve pressé de beaucoup d'occupations qui ne me laissent que fort peu de temps à vaquer à ces choses. Fort peu de temps. Et pourtant, M. de Fermat a découvert quantité de choses admirables. Et tous les grands géomètres de notre temps ont reconnu son génie. Certes, mais c'est pour les temps futurs qu'il faudrait présentement rassembler cette pensée. Lui-même n'a jamais pris cette peine. Monsieur, votre père prisait avant tout le commerce des savants. Il ne prenait pas soin de polir ses démonstrations. Les longs calculs le lassaient. Pourtant, ne s'en est-il point remis à vous, monsieur de Carcavi, pour l'impression de ses traités? Il est vrai, j'ai tenté d'arranger ce que j'ai pu pour le donner au monde, mais les circonstances ne me furent pas favorables. Souffririez-vous aujourd'hui de m'aider dans cette tâche? Vous étiez avec mon père comme un ami intime, et vous possédez beaucoup de lettres de lui, dans lesquelles il vous livrait ses pensées. Je verrai à trier ce qui peut vous être utile. En 1665, Fermat meurt, et à cette époque, c'est un mathématicien qui est reconnu, mais qui n'a rien publié, ou du moins rien sous son nom. C'est pour cela que son fils Samuel va essayer de rassembler ses écrits. En fait, Fermat n'est pas un mathématicien de profession, si l'on peut dire. C'est un juriste avant tout, puisqu'il est conseiller au Parlement de Toulouse. Et les mathématiques, il ne les pratique que pendant ses loisirs. Et il dit très souvent dans sa correspondance, d'ailleurs, qu'il manque de temps. Fermat s'est formé aux mathématiques à travers la lecture des anciens, puisqu'il connaît très bien le grec et le latin. Et en fait, c'est en repensant des démonstrations de géomètres grecs qu'il a, à l'aide des connaissances de son temps, posé les jalons de toutes nouvelles théories qui vont être fondamentales pour l'avenir. Fermat a correspondu avec les autres savants de son temps par l'intermédiaire du père Marin Mersenne dès 1636. Le père Mersenne avait établi tout un réseau de correspondances entre les savants de France et d'Europe même, qui a été très important pour la suite, parce que ça a permis de divulguer la science beaucoup plus largement, donc de la faire progresser. Carcavi a pris le relais après Mersenne. Carcavi était un ami de Fermat, et Fermat l'avait d'ailleurs désigné comme dépositaire de ses écrits. Pierre de Fermat est né en 1601 dans une famille de riches commerçants établis à Beaumont-de-Lomagne, qui est une importante bastide de la Gascogne toulousaine. Deux de ses oncles seront capitouls à Toulouse. Sur son enfance et sur son adolescence, on sait peu de choses. On sait toutefois qu'il alla faire ses études de droit, ou du moins les commencer, à l'Université des lois d'Orléans, alors aussi renommée que celle de Toulouse, où il les termina d'ailleurs avec le titre de bachelier agrégé. Ensuite, il se tourna vers la magistrature et entra comme conseiller au Parlement de Toulouse. Sa carrière juridique occupa la plus grande partie de son temps, mais c'est toutefois ses activités extra-parlementaires de mathématicien et d'humaniste,
qui porteront son nom à la postérité. Fermat est un bourgeois, assez intéressé d'ailleurs, comme le dit en rapport secret, et cela semble avoir été bien exact, car il a su faire prospérer son bien, et il est parti de certaines situations. Ce bourgeois, un véritable homme d'affaires, cache pourtant un autre personnage, d'une toute autre envergure. Il n'aime pas les intrigues, c'est d'ailleurs pourquoi il n'est pas un des amis du premier président. Il n'hésite pas à dire le fond de sa pensée, même lorsque cela va à l'encontre de celle de ses supérieurs. Il est très tolérant dans un siècle d'intolérance et très humain dans une époque déshumanisée. On connaît la fameuse apostrophe de Descartes, « Monsieur Fermat est gascon, moi non ». Ce qui d'ailleurs a fait dire à Condorcet, il est le seul dont ce grand homme eût pu être jaloux. Par gascon, on entendait à cette époque les gens au-dessous de la Loire, des pays de Languedoc, mais avec un sens péjoratif. Fermat a été gascon, mais au vrai sens du terme. Puisqu'il est né à Beaumont, il a exercé à Toulouse et il est mort à Castres. Ce triangle occitan dont il n'est jamais sorti, si ce n'est par l'universalité de son génie. Fermat n'a rien publié sous son nom. Son fils Samuel, en 1670, a édité un ouvrage de Diophante d'Alexandrie qui était enrichi des annotations de son père dans les marges, que son père faisait dans les marges. Et cet ouvrage de Diophante est intéressant à plusieurs points de vue, parce que d'abord, au niveau mathématique, c'est un testament important puisqu'il contient pratiquement tous les résultats de Fermat en matière de théorie des nombres, mais il est aussi intéressant dans la mesure où il nous montre comment Fermat travaillait. Puisque Fermat n'aimait pas envoyer des démonstrations très précises et très longues. Il disait d'ailleurs qu'il était très paresseux, qu'il était le plus paresseux de tous les hommes. Et c'était toujours très synthétique et très concis. Et Descartes lui en a beaucoup voulu, d'ailleurs, parce que Descartes prétendait que Fermat ne connaissait pas vraiment le fond de toutes les démonstrations qu'il proposait. Descartes à Mersenne, octobre 1637. Mon révérend père, j'ai été bien aise de voir la lettre de monsieur de Fermat et je vous en remercie. Mais le défaut qu'il trouve en ma démonstration n'est qu'imaginaire et montre assez qu'il n'a regardé mon traité que de travers. Monsieur Descartes et mon père ont toujours été de sentiments contraires. Voici là beaucoup d'aigreur. Certes, mais c'est que monsieur votre père avait formé maintes objections contre la dioptrique de monsieur Descartes. Celui-ci prétendait par exemple que le mouvement de la lumière est plus lent dans les corps rares comme l'air que dans les corps denses comme l'eau. Monsieur de Fermat répliqua que c'était choquer le sens commun. Une petite guerre s'ensuivit, puis les choses s'arrêtèrent là, l'un restant dans l'affirmative, l'autre dans la négative. Vous ne m'étonnez point. Affable mais opiniâtre. Que prétendait-il contre Descartes ? L'unique principe de monsieur de Fermat était que la nature agit toujours par les voies les plus courtes et les plus aisées. Mais il n'entreprit aucun calcul et laissa, dit-il, aller sa paresse naturelle pendant quelques années. Puis Descartes est mort ? Oui, et quelques années plus tard, monsieur de la Chambre pressa fort votre père d'utiliser son génie à démêler ce problème de la réfraction. Monsieur de Fermat s'y résolut et fut fort surpris d'aboutir par des routes tout à fait opposées à la même conclusion que son adversaire. Messieurs les cartésiens crièrent au miracle, avouèrent qu'ils ne savaient à qui donner la préférence sur ce sujet. Et que la postérité en jugerait. La nature agit toujours suivant les voies les plus faciles et les plus courtes. C'est ainsi que s'exprimait Fermat, et cette idée a été à l'origine d'une explication très intéressante du phénomène de réfraction. Alors pour dire un mot de ce qu'est ce phénomène de réfraction, eh bien il s'agit du changement de direction que subit la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu moins réfringent, disons l'air, à un milieu plus réfringent, plus dense, par exemple le verre. Alors, beaucoup de savants se sont intéressés à cette question.
et en particulier Fermat et Descartes. Ce qui est très curieux, c'est que chacun d'eux avait des hypothèses totalement opposées et ils sont arrivés à la même loi. En effet, Descartes, lui, pensait que la lumière se propageait plus vite dans les milieux plus denses, et Fermat pensait le contraire. Eh bien, ils sont arrivés à la même loi, à la même expression mathématique, mais avec ces deux points de départ totalement opposés. Eh bien, l'histoire, finalement, a donné raison à Fermat, puisqu'on sait bien maintenant que la lumière se propage plus vite dans l'air que dans le verre. Fermat à Mersenne, 20 avril 1638. J'attends par votre faveur les réponses que M. Descartes a faites aux difficultés que je vous ai proposées sur sa dioptrique et ses remarques sur mon traité De minimis et maximis et de tangentibus. S'il y a quelque petite aigreur, comme il est malaisé qu'il n'y en ait, vu les contrariétés qui est entre nos sentiments, cela ne vous doit point détourner de me les faire voir. Car je vous proteste que cela ne fera aucun effet en mon esprit, qui est si éloigné de vanité que M. Descartes ne saurait m'estimer si peu que je ne m'estime encore moins. Vous voyez, c'étaient les hommes les plus contraires du monde. L'affaire de la dioptrique n'était pas close, qu'une nouvelle discussion les opposait, mathématique cette fois. Sur les questions de minimum et de maximum. Oui, M. de Fermat en a fait un petit traité que le père de Mersenne a donné à M. Descartes. Il y livre sa méthode sans démonstration et en donne une belle application pour l'invention des tangentes aux lignes courbes. M. Descartes ne la goûta point. Alors Fermat a en effet proposé sa méthode sans démonstration dès 1637, ce qui provoqua une réaction violente et compréhensible de Descartes. Il s'ensuivit d'ailleurs une mésentente entre les deux hommes qui dura. Voyons la méthode sur un exemple très simple. Parmi les rectangles de périmètre fixés, quel est celui dont l'air, la surface, est maximale? Le problème était connu depuis fort longtemps, depuis les Grecs, depuis Apollonius au moins, et la réponse est fournie par le carré. Alors le but n'était donc pas de trouver la solution à ce problème, solution qui était connue depuis l'époque des Grecs, mais d'y arriver par des méthodes modernes, notamment les méthodes algébriques développées au siècle précédent par François Viète. Le XVIIe siècle est le siècle du mouvement. On cherche à quantifier les mouvements, qu'ils soient terrestres, célestes, à établir les lois régissant ces mouvements, ce qui va conduire à la création de nouveaux concepts mathématiques et au développement de nouvelles théories. Les motivations n'étaient pas toujours très pacifiques. Le XVIIe siècle est aussi un siècle de guerre. Donc on cherche aussi à prévoir la trajectoire d'un projectile ou à calculer l'angle ou l'inclinaison d'un canon de manière à envoyer le projectile le plus loin possible ou le plus précisément possible. Alors ces questions de temps, distance et vitesse vont conduire à l'émergence de la notion de dérivée et donc à la naissance du calcul différentiel et intégral avec Newton, Leibniz et les frères Bernoulli. Autre exemple de phénomène naturel donnant lieu à un problème variationnel, imaginons une armature de fil de fer plongée dans une eau savonneuse. La position occupée par le film de savon est telle que sa surface soit minimale. Les aspects modernes de ces questions et techniques de calcul se retrouvent dans cette science qu'on appelle l'optimisation et qui se préoccupe de questions comme comment relier deux points le plus rapidement possible en tenant compte de contraintes sur l'accélération, les passages obligés, etc. Ou bien, comment répartir la production d'un produit entre différentes unités de production de manière à minimiser les coûts. Descartes à Mersenne, 18 janvier 1638. Je serais bien aise à ne rien dire de l'écrit que vous m'avez envoyé, pour ce que je n'en saurais dire aucune chose qui soit à l'avantage de celui qui l'a composé.
Si cet auteur s'est étonné que je n'ai point mis de telles règles en ma géométrie, j'ai beaucoup plus de raisons de m'étonner de ce qu'il a voulu entrer en lice avec de si mauvaises armes. Mais je lui veux bien encore donner le temps de remonter à cheval. Roberval à Mersenne, avril 1638. Quand M. Descartes aura bien entendu la méthode de M. de Fermat, alors il cessera d'admirer que cette méthode ait trouvé des défenseurs, et admirera la méthode même, qui est excellente et digne de son auteur. Descartes à Mersenne, le 3 mai 1638. Il fait paraître qu'il n'a trouvé sa règle qu'à tâtons, ou du moins qu'il n'en a pas conçu clairement les principes. Je désire seulement qu'il sache que nos questions de maximis et minimis sont parfaites depuis 8 ou 10 ans et que plusieurs personnes qui les ont vues depuis 5 ou 6 ans le peuvent témoigner. Pour M. Fermat, son procédé me confirme entièrement en l'opinion que j'ai eue dès le commencement que lui et ceux de Paris avaient conspiré ensemble pour tâcher de décréditer mes écrits le plus qu'ils pourraient. Fermat à Mersenne, 10 août 1638. J'attends surtout avec impatience de voir rétracter M. Descartes du jugement qu'il avait fait de ma méthode. Descartes à Fermat, 27 juillet 1638. Je n'ai pas eu moins de joie de recevoir la lettre par laquelle vous me faites la faveur de me promettre votre amitié que si elle me venait de la part d'une maîtresse dont j'aurais passionnément désiré les bonnes grâces. Et voyant la dernière façon dont vous usez pour trouver les tangentes des lignes courbes, je n'ai autre chose à y répondre, sinon qu'elle est très bonne, et que si vous l'eussiez expliqué au commencement en cette façon, je n'y eusse point du tout contredit. Descartes à Mersenne, 23 août 1638. Je dirais seulement qu'il lui eût été, ce me semble, plus avantageux de ne point du tout parler de cette tangente, à cause que le grand bruit qu'il en fait donne sujet à un chacun de penser qu'il a eu beaucoup de peine à la trouver. Mais ne croyez pas que la mauvaise humeur était toujours de mise. Avec Pascal Lejeune, l'harmonie fut parfaite. Il tenait votre père pour le plus grand géomètre d'Europe, et même le premier homme du monde. Il le lui a écrit. Il lui a aussi écrit que si sa santé avait été assez forte, il aurait fait le chemin jusqu'à Toulouse pour l'embrasser. Oui, je sais, je sais. Leur commerce s'est noué sur mon entremise en 1654 à propos de questions de jeu. Monsieur le chevalier de Méret, qui était fort joueur et se piquait aussi d'être géomètre, proposa à M. Pascal plusieurs petits problèmes, dont un qu'il ne savait démêler. Tenez, jouons à croix ou pile. Je mise. Posons que le premier qui gagne 3 coups emporte l'enjeu. Que choisissez-vous ? Pile. Jouez donc le premier. Un coup pour vous, à mon tour, 2 pour vous. Supposez maintenant que nous ne hasardions point le coup suivant. Comment allons-nous partager l'enjeu? Comment faire le parti équitablement? Avouez que j'ai presque gagné. Et que faites-vous des chances qui me restaient? Non, il faut raisonner comme si nous avions poursuivi. Dites-moi, en combien de coups au plus le jeu serait-il absolument décidé? Je pourrais gagner au plus mal en 3 coups contre 2 pour vous, ou perdre 2-3. En 3 coups au plus, le jeu est donc décidé. Eh bien, simulons ces 3 coups. Vous devez gagner une fois pour remporter l'enjeu, et moi, 3. Toutes ces branches vous sont favorables. Prenez les 7 huitièmes, et vous avez votre compte. Mais il me restait tout de même une chance. Le problème des parties, on peut le voir maintenant comme le début de la théorie des probabilités. Je crois qu'à l'époque de Fermat, c'est plutôt une application de la combinatoire, et comme tel, un exemple des problèmes sur les nombres. Et Fermat est surtout connu maintenant comme le grand précurseur de la théorie des nombres moderne. Je crois que si on veut essayer de le comprendre comme tel, il faut voir qu'il se situe à une intersection. C'est quelqu'un qui a une parfaite maîtrise des techniques mathématiques les plus sophistiquées de son époque, et en particulier de l'algèbre. L'algèbre en Occident au XVIIe siècle, c'est encore quelque chose de difficile.
C'est quelque chose que tous les mathématiciens, même dans le cercle de Fermat, ne possèdent pas bien. C'est quelque chose qui pose des problèmes théoriques, qui en même temps soulève des espoirs insensés que ça va permettre de résoudre les problèmes les plus généraux de mécanique ou de géométrie. Par ailleurs, Fermat est intéressé par des problèmes extrêmement concrets sur les nombres entiers. Donc, par exemple, trouver deux nombres tels que la somme des diviseurs de l'un est égale à l'autre, comme 220 et 284. Bon. Des problèmes donc, qui font appel à des nombres précis, explicites. Et on voit bien que ça, c'est une situation très rare. La plupart de ses contemporains, soit connaissent les techniques algébriques et s'intéressent aux problèmes les plus généraux que ces techniques peuvent traiter, ou bien s'intéressent aux problèmes sur les nombres et trouvent que l'algèbre est beaucoup trop générale, que ce n'est pas la peine de l'apprendre parce qu'elle ne permet pas de traiter isolément des problèmes sur les nombres. Et Fermat est quelqu'un qui se situe à l'intersection de ces deux tendances. Et c'est ça aussi qui explique le type de travail qu'il a pu faire. Comment il a essayé d'adapter la généralité de l'algèbre à la spécificité des nombres entiers. Le grand théorème de Fermat, c'est quoi ? C'est une note, d'abord, tout à fait isolée dans l'œuvre de Fermat, qui propose plutôt une hypothèse, une conjecture, qu'elle ne démontre un vrai résultat. Je vais y revenir. On sait qu'il existe des carrés qui sont somme de deux carrés. Par exemple, 25, c'est 5 fois 5, c'est un carré, et c'est la somme de 16 et 9. Et ce que Fermat énonce, c'est que ce n'est pas possible de faire la même chose avec des cubes, ou des puissances quatrièmes, ou des puissances d'ordre supérieur. Il n'est pas possible de trouver deux puissances quelconques dont la somme soit une puissance de même nature. On a en fait très peu de traces de son travail sur ce théorème. Il ne l'a jamais répété nulle part, en particulier pas dans sa correspondance. Je crois qu'on peut dire à l'heure actuelle qu'il n'en avait pas de démonstration, en tout cas c'est le plus probable. Par contre, il a beaucoup parlé des deux premiers cas, le cas des cubes et le cas des puissances quatrièmes. Le fait est donc que Fermat nous a laissé plein d'énoncés sans démonstration, que beaucoup de gens ont essayé ensuite, surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, de trouver ces démonstrations, et que ce fameux théorème-là est le seul qui a résisté aussi longtemps, et qui a résisté au moins jusqu'à, en principe, cette année, puisque je crois qu'on a tous l'espoir que le travail d'Andrew Wiles va bientôt être complet et qu'on aura donc bientôt une démonstration absolument probante de ce fameux théorème de Fermat, le seul qui nous manquait. Propositum quadratum dividere in duos quadratus. Au contraire, il est impossible de partager soit un cube en deux cubes, soit un bicarré en deux bicarrés, soit en général une puissance quelconque supérieure au carré en deux puissances de même degré. J'en ai découvert une démonstration véritablement merveilleuse, que cette marge est trop étroite pour contenir. Thank you.